Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce second stream sur le serveur Ormland avec le modpack Conquest Reforged où on va essayer de créer une petite ville portuaire, Saint-Marin-le-Port. Et on avait déjà commencé la semaine dernière à poser quelques bases, à faire un petit plan au sol. On avait aussi visité le serveur avec quelques projets bien commencés et magnifiques avec ce modpack. Aujourd'hui, on va continuer, donc on va même rentrer un petit peu plus dans le détail sur une première construction, pour histoire de commencer à vraiment poser des vrais blocs, pas seulement des blocs de repérage. Et puis on va aussi rendre visite aux copains, on va aller voir le projet de boîte à meux notamment, parce qu'il a vraiment beaucoup avancé et que c'est mon voisin. Donc bienvenue Emrinvest, salut Isadren, bienvenue à vous toutes et tous. Alors, comme vous le voyez, j'inaugure un nouveau chat, mais pas sûr que ça reste comme ça très longtemps. Le chat disparaît au bout d'une minute pour les derniers messages, mais on va essayer de paramétrer ça un petit peu mieux dans les prochains jours. Il faut que je bidouille encore le setup. Par contre, sachez que à la fin de ce stream, normalement, je vais pouvoir tourner le premier récap de la chaîne. Il va s'agir d'un format court de quelques minutes. Je pense que ça sera vraiment, quand je dis quelques minutes, ça sera peut-être 1, 2, 3 minutes, 4 minutes peut-être, on verra. Tu trouves que c'est court quand même, 1 minute Emrinvest? Ouais, non mais je vais changer le setup. Après, sur ça, les messages ne disparaissent pas du chat Twitch, hein, mais bon, ils disparaissent du retour du stream, ça c'est vrai. Donc je poursuis avec mon format récap, donc quelques minutes, tourner à la fin du stream, et ce sera un petit format que je mettrai sur YouTube avec une petite vignette exprès pour pouvoir la repérer plus facilement dans le flow des vidéos de ma chaîne. Dans un premier temps, je vais continuer à mettre les rediffs, mais je mettrai en avant les récaps. Je vais les sortir avant les rediffs. Par exemple, demain, je pense que vers 15h, je sortirai le récap, et à 15h30, il y aura la rediff entière. Et puis peut-être que, voilà, j'ai fait un sondage sur YouTube, et le format vous a... sinon plus, du moins, vous avez été plutôt réceptif à mon sondage, parce qu'il y avait pas mal de participation comparé à d'autres sondages que j'ai pu faire parfois sur la chaîne. Et vous étiez une majorité à dire, je regarderai les recaps plutôt que les rediffs. On est presque à 60%, je crois. Et c'est fait pour. C'est fait pour. Les rediffs resteront peut-être à terme uniquement sur Twitch. Il y a ensuite une bonne minorité qui a dit, je regarderai les recaps et les rediffs, et il y a je crois qu'il y a moins de 10% des gens qui ont dit je regarderai que les rediffs mais pas les récaps. Donc salut j'arriverai. Donc je pense qu'on va tourner donc notre premier récap tout à l'heure en fonction de ce qu'on aura réussi à construire ce soir. Voilà. Donc voici les plans, le plan. Alors ne tenez pas compte de ce bâtiment que j'ai copié chez Boîte à Meux, il est là juste pour nous donner une idée de l'échelle en fait, nous rendre compte un petit peu ce que ça donne un vrai bâtiment joliment travaillé par Boîte à Meux. Voyez la taille du bâtiment, voilà, ça nous donne une idée par rapport à, là il y aura le petit port de pêche, là il y aura le grand port commercial, et une des entrées sera ici, et c'est là-dessus qu'on va bosser ce soir, sur l'entrée. Le reste pour l'instant c'est à l'état d'esquisse, à l'état de simplement de projet.
Comme j'ai les droits speed, je vais me mettre en speed 5 pour aller chez Boîte à Meux, donc franchir la montagne. Et il a fait, oh là là, il a fait plein de trucs. Alors attendez, il a fait plein de trucs, donc oh là là, il a fait plein de trucs. Il a dit qu'il y aurait quoi ici, une tour, je crois. Il aurait dit qu'il y aurait une tour, tour de Gaileduc, ouais, Gaileduc. Donc ça, c'est le chemin qui va. Ah, d'accord. Non, mais j'avance pas. D'accord. Alors, il était à quoi mon walk speed par défaut? Alors, il est pas à 5. Clairement, il est pas à 5. Il est peut-être à 2. Ouais, 2, ça me paraît plus raisonnable. Voilà. Donc, quand on arrive en ville. Voilà ce qu'on voit maintenant chez Boîte à Meux. Ok. Alors je suis pas fan des lampions chinois asiatiques. Mais peut-être que c'est parce que j'ai pas le bon texture pack, je ne sais pas. Donc important, on va regarder comment il fait ses chemins. Brown gravel. Gravel. Ok, il est fait en brown gravel et en gravel. Est-ce qu'il y a autre chose ? Des layers, ok. On va quand même lever la tête, hein, y a pas que les chemins. Donc là, il a fait un gros travail de terraforming avec des rochers. Très sympa. Alors, son pont délabré, il est juste magnifique. Small stone layer, ok. Ah, ça c'est pour les petits murets. Andésite, ok. Beaucoup d'andésite. Stone, gravel. Ok. Donc très joli travail de terraforming. Ah, très sympa. Bon, bah la petite ruine ici est chouette. C'est quoi ici? Ça va être un moulin peut-être. Borie. Je sais pas ce que c'est un borie. La porte est chouette. On peut rentrer. D'accord, c'est des trappes, ok. Donc ça c'est des volets en fait. Merde. Au secours. Au secours. C'est bon. Il a tout cassé le gars, au secours. Donc très jolie bâtisse. Il a bossé sur ce rocher là que j'aime beaucoup. Ah oui, c'est vrai, donc là il a créé un RP d'un chemin qui est complètement voilà, inondé. Le rocher a été soutenu, ça c'est chouette. Là il y a un gros bûcher, là il y aura donc une cabane. Là, le chemin est barré, ok, et on arrive dans le village qu'on avait déjà visité. Avec des petites choses très chouettes. C'est magnifique, hein. Ah, donc là il a commencé. Ah ouais, il a commencé à bosser aussi sur le terrain ici, hein. Sa petite rivière, elle est chouette. Donc ça c'est quoi ça? Mossy Soil Slab.
Saphir, ok. Moi aussi, Forest Floor, World Roots, ok. Moi aussi, Slull Slab. Y'a pas des blocs pleins? Ok. Très chouette. Les arbres sont super chouettes. Donc je regarde au niveau des couleurs ce que je pourrais faire moi pour mes murs d'enceinte. Je voudrais des murs assez clairs. Hein, pour, je vous rappelle, ma source d'inspiration, c'est celle-ci. Ah, pour le domaine, là, c'est chouette. Hein. Et donc, la petite église. Il y a deux petites que le nom. Qui est génial. Super belle. Et là, on est sur un sol ouais, plus travaillé, très joli. Limestone, ouais, c'est joué, joli. Ouais, donc il y aura un autre chemin qui mènera vers le village. Ah, c'est joli. Hein. Et il a commencé à travailler un peu l'intérieur, c'est chouette. GG boîte, c'est super. Là aussi, il a travaillé par ici, là, parce que... Ah, c'est un pressoir, ça, non? C'est... Je sais pas. Oh. Ouais, il a rajouté beaucoup de détails. C'est chouette. Magnifique. Ah, et puis la vue sur la petite église, elle est chouette. Hein. Et bah GG, boîte, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Ça met la barre très très haut. Là, il faut le reconnaître. C'est très belle cette maison. Il y a plein de choses superbes. Pas à dire. Splendide. Alors, je regarde les matériaux. Je pense que pour mes murs, je partirais bien là-dessus. Alors après, ça veut dire que... Ouais, bon, moi, je partirais bien là-dessus. Attendez. Vous savez quoi? Donc ça c'était pour les routes, sauf ça, ça c'était pas pour les routes. Et là, j'aime bien ce pattern là, je pense que je vais partir là-dessus. Sur ça, 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 ça. Est-ce qu'il y a autre chose que je n'aurais pas?
avec éventuellement des petites variations comme ça de temps en temps, mais c'est sympa. Ça, c'est quoi ça? Je pense que ces matériaux-là peuvent être pas mal pour commencer la muraille. Quelque chose d'assez clair. Parce qu'après, sinon, j'avais vu... Là, c'est beaucoup plus foncé. Vous voyez, hein, sur mon inspiration, donc je rappelle, un Raguse, l'ancienne Raguse en Croatie, donc Dubrovnik aujourd'hui, qui a des murs assez clairs. Il y avait cette couleur un peu plus crémeuse, mais non, je vais la garder pour... Voilà, là c'est ça aussi, ici. Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais pas pris? Non, c'est de la limestone cobble. Avec la stone cobble. Ouais, donc j'ai déjà ça. Ça, c'est vraiment chouette, ça. Apporter des petites variations et des petits... Ouais, très chouette. Allez, on retourne dans nos pénates. Et on va commencer à bosser sur notre mur. Donc on serait sur peut-être quelque chose comme ça. Avec un peu de maçonnerie. Et ça, c'est de la Warm Light Grey Plaster. Light Grey Plaster. Et après, on rajoutera un peu de relief, hein, bien sûr. Ce qui est intéressant aussi, c'est que de toute façon, il va falloir creuser un peu plus pour les espèces de fossés.
Alors là, on voit pas sur le sur la source d'inspiration, on voit pas les fossés, mais. Ça faisait très longtemps que j'ai ressorti la tasse R2D2. Mais très longtemps. Juste, je vais. Maintenant que j'ai posé un peu. Celui-là, j'ai pas posé ce bloc-là. Je vais juste pour l'instant le poser là. Parce que le problème c'est. Ah ouais, le problème ça va être les angles quoi. Ah, il est chouette, mais il va être chaud à utiliser. Bon, pour l'instant je laisse là. Du coup. Je vais juste poser ça pour les chemins. Après, on pourrait faire un brush, hein, mais. Ça serait plus sur le bord, peut-être. Ça, c'est plus dans les rivières, en fait. Là, bien sûr, on jouera sur les reliefs. Et là, on avait ça aussi. Ah, voilà. On avait ça. Ouais, ça, c'est chouette. Donc ça, c'est du Tan Sandstone Cobble Vertical Slab. Donc, Sandstone Cobble. Sandstone Cobble. Qui fait plus jaune, hein. Donc à utiliser peut-être avec parcimonie. Mais c'est sympa.
C'est pas mal. C'est sympa. Alors, le problème, ça va être... Ici, il faudrait faire une sorte de fossé, en fait, ou je ne sais quoi, mais... Que là, on va voir la rivière. Donc la rivière, on peut creuser un peu, mais pas tant que ça, hein. Genre deux blocs max, parce qu'après, il faut qu'on rattrape par ici. Donc là, ce sera à peu près le lit de la petite rivière. Mais si on fait si peu profond... Parce qu'en vrai, ici, on ferait peut-être
des rochers comme ça ici là. Une barrière un peu rocheuse ici. Donc du coup la rivière, est-ce que là on ferait pas un trou quoi? Après en vrai un petit canyon ce serait pas mal hein. Après, si je j'imagine. Qu'ils ont dévié le cours du ruisseau. Ça pourrait être sympa. Donc il y a une petite. Un petit peu de haut, une fosse. Et là, éventuellement. Que la rivière elle revienne comme ça. Parce que du coup, c'est parce qu'en fait, s'ils ont dévié de l'eau par ici, que je trouve un moyen de creuser plus vite en biais. Alors, j'avais des brushes, non? Pour creuser plus vite, non? On n'a pas ça? On n'a pas ça? Commande Minecraft. Alors, broche végétation avec un carré, végétaux à sectionner d'abord. Donc si je fais... Ah oui, mais faut que je clip en fait. Ah ouais. Alors attends. Si je fais ça. Copie. Ok. Ensuite, je prends mon outil en main. Hop. /br. Sphère. Clipboard. 2. Ah. Ça marche pas mal.
Oui, ça marche même trop bien. Bah oui. Petit freeze. C'est bon. Va falloir reboucher tout ça, quoi. Que du coup, si on fait passer la rivière ici, à plus, Emrin VS. Bonne soirée. On peut éventuellement faire la rivière plus basse. Donc là, ça ferait une sorte de canyon, hein.
Avec ici peut-être un genre un petit ponton, quelque chose. Et par contre, faut que je fasse gaffe et que je repose sous le niveau de la mer. Je suis à combien? Je suis à 31. Au niveau de la mer. Il est à 32. Donc je suis trop bas.
Montana Sandstone Cobble. C'est tout ce qu'on a. Et on a ça aussi éventuellement. Orange Sandstone Cobble. Qui peut. Ouais. On va faire un dégradé avec des slabs verticales. On est à quelle hauteur là? 35. On est pas trop mal. Donc en vrai, de là jusqu'à là. Que j'aille trop profond alors.
Voilà, et le niveau de l'eau, donc là. Donc le RP, ce serait que ici, on aurait en fait une douve, mais peu entretenue. C'est-à-dire qu'elle se serait rebouchée petit à petit. Donc on va mettre, on va la faire un petit peu bouchonner, vous voyez, un petit peu, voilà, avec des buissons et tout. Voilà, comme un vieux mur d'enceinte qui aurait servi autrefois, mais qui aurait moins d'utilité, qu'on aurait moins entretenu. On pourrait même faire des buissons à certains endroits qui cache un peu le truc, quoi. On va faire ça comme ça. Parce qu'on est dans une zone où il y a assez peu de risques d'invasion, en fait. Donc faut pas qu'on surjoue la défense. Ici, on fera comme si on attaquait sur une grosse partie en rocher. Donc ça, on va reboucher. Donc faut qu'on choisisse jusqu'où on va mettre le niveau de l'eau. Je pense que le niveau de l'eau, si on le met jusque là, c'est pas mal. L'eau, elle arriverait là, en fait. Ça fait pas trop profond. Et là, en fait, ça fait une petite, voilà, une petite avancée d'eau, et en fait, après, ça part par là. Et ici, on verra ce qu'on fait, mais on fera sûrement un petit chemin qui permet d'aller dans cette zone, en fait. Éventuellement, une petite ferme, quelque chose. Donc, ici on peut mettre des rochers en andésite, hein, c'est pas interdit. Ils sont faits en andésite, hein, les rochers, on a vu, hein, dans le coin. Donc, c'est de quoi, c'est
De la small stone, du gravel, du weathered andésite, c'est ça. Et donc, andésite, small sand. Et weathered andésite. Très bien. Et puis on a du gravel, un peu brown gravel qui est pas mal, mais ça fait un peu chemin. C'est de la small stone, ça. Small stone.
On va mettre des layers, je pense. C'est pas terrible, il n'y a pas de fusion de. Alors, faut peut-être mettre des graviers comme ça, c'est plus sympa. Voilà, c'est un peu régulé. On pourrait peut-être mettre un arbre, quelque chose comme ça. Bon, l'herbe se propage pas. Je vois que la propagation a été désactivée. C'est pas gênant, au contraire, ça nous permettra de faire de l'herbe.
On va peut-être commencer à travailler avec des layers. Déjà là. Ah bah ça que je veux. C'est ça. Alors, sauf qu'il me faut la même chose. Il me faut la même chose comme ça. Donc il me faut ça. Il me faut... Il faut quand même les pierres complètes là. C'est sympa. C'est sympa.
Ouais, c'est bien ça. Ouais, j'aime bien. Donc maintenant. On va travailler sur... Est-ce qu'on va avoir besoin de layer de grâce? Ah oui, sauf que là... Ouais. Sauf que tout le long là on va être coincé, mais par contre on va peut-être... En fait on va pouvoir travailler plus genre là quoi. Ouais. Ok. On va avoir besoin de layers comme ça aussi. Voilà. On va avoir besoin de layers de dirt. De layer de smooth. C'est que si on commence à mettre des layers, on va devoir en mettre partout.
Là, je pense qu'on va utiliser aussi ça. Ça fait pas terrible ça. Remettez-moi les layers. Et les slabs verticales. Ok, très bien. Alors maintenant. Maintenant qu'on a ce premier début ici de le pattern. Je suis assez content.
Le problème, c'est l'espace qu'on a là. Comment on va faire pour gérer la cette diagonale? Parce que... Parce qu'en fait, moi, ici... Je mettrais bien une petite... Un petit passage comme ça, je sais pas. À voir. La texture.
Donc là, c'est un corner. Non, c'est pas un corner. Et si j'utilise un corner? Enfin, carte. Merde, où est-ce que... Ah là. C'est peut-être pas plus mal. Et du coup, au-dessus, qu'est-ce qu'on met comme bloc? Oula. Pourquoi ça m'a fait ça? Nul. Deux blocs. Et je pense qu'ici, on va rehausser. Merci Mimiche pour la modération. Je ne savais même pas que t'étais là discretos. Et donc là, je pense qu'on va, voilà. C'est gentil, Mimiche.
Là, je sais pas de quelle couleur on va faire. Peut-être faire une autre couleur ici pour varier un peu les plaisirs. Ou pas, je sais pas, si je pense qu'on va varier. Je mettrais bien l'eau juste pour voir ce que ça donne dans la zone. Donc on va faire une délimitation. Juste pour que ça déborde pas trop. Voilà. Et par ici. Je vais pas travailler la zone après. Sachant que par là j'ai moins travaillé, mais on va pouvoir travailler après. Donc, water. Ah oui, mais est-ce que ça fait des sources infinies là, non? Mais j'étais trop bas en fait là. Donc non, en fait l'eau elle serait en dessous.
Ah, j'ai pas de mince, j'ai pas de verticalité là-dessus. Crotte. Et là? Là, j'ai. Là, je dois avoir aussi. Non, j'ai pas ça. Ok. Alors maintenant, il faudrait qu'on trouve au niveau des végétaux. Attela, c'est quoi ça? Attelas, c'est quoi ça? Attelas.
plante de fiction. Et réputée pour sa vertu médicinale. Des feuilles longues, nanana. Ok. Je voudrais des petits roseaux, des choses comme ça. Ce qui est bien, c'est que ça se met bien sur les layers, ça. Il doit bien avoir des roseaux, ça c'est sûr. Il y a du bon bout. Les petites lentilles, c'est très bien. Bien avoir crops and herbs, common beans.
Merci pour le follow. Bienvenue à toi, Raphaël Rire. Ah voilà. Alors, le but. Alors là, je suis sur le serveur Ormland. C'est un très grand serveur. Enfin, une très grande map. On est nombreux à construire, même si là, c'est un peu calme parce que c'est les vacances. Il y a plein de projets différents. Par exemple, ici, il y a une petite ville qui a commencé à être construite. Ici, il y a la capitale qui s'appelle Karda, qui a commencé à être construite par le créateur du serveur qui s'appelle Boîte à Musique. On a ici un des plus gros projets avancés, hein, qui est un petit village ici construit par Boîte à Meux. Et moi, j'ai commencé la semaine dernière et je poursuis aujourd'hui la création d'une petite ville maritime, une petite ville portuaire fortifiée qui s'appelle Saint-Marin-le-Port. Et je commence donc tranquillement à faire des tests au niveau des patterns de la muraille, tu vois. J'ai commencé aujourd'hui à faire des tests, donc là je creusais un petit peu à la va-vite, voilà, des petites choses comme ça. Alors oui, ça va être que sur PC parce que pour merci beaucoup. En fait, là où je suis sur un Minecraft modé avec le Conquest Reforged qui est un mod pack qui permet d'avoir énormément de blocs qui n'existent pas en Vanilla, comme tu vois par exemple ici des dalles verticales en fait, hein, par exemple. J'ai énormément de végétation là, tu vois que. Qui n'existe pas. Je construis depuis très longtemps, mais on peut pas dire que je sois builder pro. Mais je construis, je joue à Minecraft depuis 2013, hein, donc forcément, ça aide. Allez, on va mettre des petites bouches là. Merci Raphaël Réa, et à plus tard du coup. Bienvenue à toi sur la chaîne en tout cas. Merci pour ton follow.
c'est mieux. Non, par contre, j'avais vu un truc qui était sympa, que faisait Boita. C'est quoi ça? Ah, c'est chouette ça. Pour faire un sol plus rare. Faudrait faire un arbre en fait ici.
Un très chouette soul pleureur, j'aime beaucoup. C'est un poil trop chevelu là. Donc c'est quoi? C'est des goat salaud. Je sais pas ce que c'est. Mais... Normalement ça va avec ça. On va en mettre au pied, tiens. Non. Ça va très bien avec le soul pleur. Au départ, c'était pas ça que j'avais vu, mais. Alors, est-ce que c'est Tarn? Je me rappelle plus. Alors, attendez. C'est dans le bois. Donc, c'est une bim. C'est pas ça que je veux. Ça doit pas être ça. Je sais plus, est-ce que je vais trouver ça là? Alors, sinon, tant pis, je vais me TP. Je pense que c'est à Karda que j'ai vu ça, mais je suis pas sûr.
Ah, ça c'est pas mal de pouvoir raccourcir. Je sais pas, ça rajoute du détail, est-ce que c'est vraiment utile? Je ne sais pas. C'est pas mal. Après, évidemment, c'est le début et ça manque de... Bah, de suite, tout simplement.
Salut Arnaud. Alors, très bonne question. J'en fais quand? Hop. J'en fais vendredi. Voilà. Et si tu veux tout savoir, tu peux faire point d'exclamation planning pour voir ça de plus près de ton côté. Mais en tout cas, voilà. Voici le planning vendredi et dimanche au Licube. Juste des petites variations de hauteur, comme ça mange pas de pain. Je pense que je commencerai plus tard à des gros rochers ici, là.
On va mettre un peu d'herbe. Oui, salut Marco, comment ça va? Commence à travailler sur ma cité portuaire fortifiée. Mais du coup, on commence par bosser un petit peu sur le mur d'enceinte en fait. J'espère que tu vas bien. J'ai refait toute mon install de Minecraft, me suis même connecté sur les diffs. Incroyable! Oh oh, GG en 1.19 du coup. 1.19. Oui, c'est fou comme ça change tout. Je sais pas, 1.19, elle change pas tant que ça, mais bon. Changer, faut le faire avec mon poste. Effectivement. Et ouais. Je suis sur le serveur Homeland. Serveur qui a été créé par Boîte à Musique et auquel participait aussi Boîte à Meux.
C'est ça fait beaucoup de boîtes. À... Bonne nuit, chère Marie. Merci beaucoup d'être venue et d'être restée. J'espère que le stream t'a plu et que le début de cette construction te plaît. Ça me plaît beaucoup, ça rend vraiment super bien. Merci beaucoup. Ça va être un petit rappel de ça là. Sucon Blaze, merci énormément. 5 mois d'abonnement, merci beaucoup pour le resub. Beaucoup, je suis toujours caché, dites rien. Mais si, je vais dire merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup, c'est très gentil. Ouais, c'est vraiment envahi ici, quoi.
On peut même en faire des plus grands, dis donc. Et salut, gabarit. Tu as un gabarit probant. J'avais pas vu qu'on pouvait en faire des plus grands. Ah ouais, peut-être en mettre un là comme ça, plus grand. Sympa. Très bien. Du coup, on va remettre quelques petites touches de ça. Genre là. Pas mal. C'est pas mal.
Ouais, bah c'est très sympa, bon, c'est pas fini, évidemment. Évidemment. Il manque quand même énormément de choses, hein, mais. C'est un début. Un début. On va mettre un petit coup de shader. La webcam va peut-être laguer un peu. Yep, Marco, ouais. Pour l'instant, je suis tout seul sur la construction. En fait, sur le serveur, chacun peut réserver des petites zones. Et du coup, Boîte à musique, par exemple, fait la capitale. Et Boîte à meux fait un petit village pas très loin d'ici, pas très loin de l'endroit où je suis. Il a déjà énormément avancé, mais bon, Boîte à meux, il a pas le même rythme de jeu que moi. Hein. Il fait des streams de 8 heures, donc forcément. Et puis il connaît très très bien le mode pack, donc vraiment son village est super chouette. Donc moi je m'inspire de Raguse, alias Dubrovnik aujourd'hui, mais on fera un truc plus petit que l'image d'inspiration là que tu peux voir sur la Oranacam. Mais l'idée voilà, c'est de faire une petite cité portuaire fortifiée, assez petite quand même. Mais là par contre, l'idée que j'ai derrière le RP de la zone là que j'ai faite, c'est que ce sont des vieilles murailles, et par exemple les fossés n'ont pas été très très bien entretenus, c'est pour ça que la végétation a commencé à pousser, que les douves sont envahies de plantes, de lentilles, etc. Bref, parce qu'en fait dans le RP, les royaumes humains de ce continent ont été fédérés. Et il n'y a plus de conflits armés entre les différentes cités. Et sur le continent, par contre, il y a une zone avec des gobelins et des orques, si je dis pas de bêtises. Et là, par contre, les relations sont plus tendues, mais c'est loin de Samarin-le-Port, là où je construis. Donc, la cité fait pas mal de commerce. Ça justifie qu'il y ait des murailles. Mais voilà, elles sont pas non plus. Elles sont devenues moins utiles au fur et à mesure des années, et donc dans le RP, elles vont être un petit peu laissées pas à l'abandon, mais pas très bien entretenues. Hop! Évidemment, les shaders, c'est bien. Mais la lumière est de l'autre côté. Évidemment. Est-ce que je peux tricher? Ah voilà. Donc du coup, je mets 2000 pour avoir un truc un peu moins. Ouais voilà. Ah bah c'est joli tout ça. C'est joli. Même si c'est juste un mur. Ah c'est peut-être plus joli par là même. Carrément. Et bah, vous savez quoi, les amis? Je pense que c'est là-dessus qu'on va se laisser pour le stream. Du coup, on va couper le stream ici. Et moi, je vais
je vais enregistrer le récap. Donc, je rappelle, demain, normalement, il y aura la rediff sur YouTube. Pour l'instant, je ne change pas les habitudes vers 15h30. Mais il y aura... Ah, par contre, ça bug là-bas. What? Avec les shaders, j'ai des blocs qui bug. Dommage. Ah ouais, j'en ai pas mal qui bug, dis donc. Bon, c'est pas grave. Et donc, il y aura aussi un petit récap qui va sortir un peu avant, vers 15h, où je vais simplement faire un résumé de ce qu'on a fait aujourd'hui en stream. Bon, là, si vous êtes resté jusqu'à la fin du stream, vous voyez ce qu'on a fait. Mais pour tous ceux que ça intéresse, je vais publier maintenant régulièrement sur YouTube des petits résumés de quelques minutes, juste pour présenter ce qu'on a fait dans la soirée, là, pendant les presque 3 heures de stream. Voilà, et bah écoutez les amis, pour ce qui est du stream, on va faire un tout petit raid. Alors, qui est en stream? Twitch. Il y a Lucide qui est en stream. On va faire un tout petit raid, mais on va le faire quand même chez Lucide. Donc je vous envoie vers Lucide qui est en train de construire sur du Minecraft. J'ai pas bien compris si elle était sur du Holycube ou pas. Je crois pas, elle build pour un event. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce stream sur le Conquest. C'était très sympa et on a bien commencé à poser du cube, ça fait plaisir. On se retrouve demain soir sur les difficiles aventures en 1.19. Je sais pas encore exactement ce qu'on va faire, mais on trouvera. Il y a énormément de projets en cours, de choses à faire, donc... pas les idées qui manquent. Merci à tous de m'avoir suivi et rendez-vous demain soir. Ciao.